en tant que candidat déclaré parmi les plus jeunes, j'ai appuyé ce matin à la Cour constitutionnelle la démarche de tous les candidats, notamment l'exception d'irrecevabilité de la candidature de M. Ali Bongo, qui a été évoquée notamment par le Premier ministre, M. Casimir Oyemba. Pour ma part, je dis à la population gabonaise que nous allons monter en gamme. Nous avons rencontré la CENAP, nous avons rencontré la Cour constitutionnelle. Demain, nous allons nous concerter à la Chambre des commerces. Et mercredi, je dis bien mercredi 6 juillet, à partir de 15h, nous allons nous réunir pour certains au Stade de la Nation, en appelant le peuple. Nous mobiliserons le peuple gabonais au fur et à mesure pour contester la candidature d'Ali Bongo. Je dis bien, la nation gabonaise doit se défendre. J'appelle donc tous les Gabonais qui m'entendent à venir au Stade de la Nation le mercredi 6 juillet à partir de 13-14h, parce que à ce Stade de la Nation à Bellevue 2, nous allons commencer à contester avec nos pieds et dans la rue la candidature de M. Ali Bongo. Et moi, je vous le dis, je serai devant, pacifiquement, calmement, sans violence, sans haine, mais il est temps que le peuple gabonais se défende et reprenne les rênes de son pays au Stade de la Nation, non justement très prophétique. Rendez-vous à toutes les Gabonaises et tous les Gabonais mercredi 6 juillet à partir de 13-14h au Stade de la Nation. Il y aura les candidats, il y aura les acteurs politiques et nous décréterons bien sûr à cette occasion la fin du système despotique.